pas trop. Viens, s'il te plaît. Bon arrivée, patron. Merci. Comment tu vas? Ça va bien, patron. Et la famille? Oui, ça va, patron. Dieu merci. Rappelle-moi les rendez-vous. Si tu peux, je viens, j'ai un appel. Ok, patron. Allô? Oui, exactement. Mardi. Faites une réservation le mardi à 9h. Et donc, pour ne pas trop me déplacer, je vais rester à l'hôtel, à l'aéroport en même temps. Oui. D'accord. Donc, on retient mardi à 9h. Merci beaucoup. Oui, Arnold. Du patron. Rappelle-moi les rendez-vous que nous avons. Ok, il y a les investisseurs chinois qui m'ont appelé tout à l'heure. D'accord. Par rapport au gros projet sur lequel nous sommes partenaires avec eux. Et je leur ai dit que j'attendais juste votre accord pour que nous puissions confirmer à leur niveau. Il y a également ceux de la Croatie et les Canadiens également qui m'ont appelé, qui m'ont contacté. Je préfère les Canadiens. Les Canadiens. Oui, c'est la priorité pour l'heure. Ok, je note les Canadiens. Oui, les Canadiens. Donc j'annule avec ceux de la Chine. Non, tu vas mettre ça à une date ultérieure. Une date ultérieure, voilà. Ok. Maintenant, pour les Canadiens, on retient jeudi à 9h30. Jeudi 9h30. Jeudi 9h30. Ok, patron. Parce que d'ici lundi, on doit aller en Belgique. Belgique. Voilà, on finira là-bas mardi. Donc au plus grand temps, mercredi, on sera de retour. Okay. Donc jeudi à 9h30, ça va. Jeudi 9h30. Ok. Bien noté. Donc les Canadiens, jeudi 9h30. Oui, c'est okay, ça. Patron. Il n'y a pas d'autres rendez-vous? Bon, ce sont les rendez-vous habituels. Dans l'après-midi, nous serons au niveau de l'hôtel Bellecote. D'accord. Et vous avez également votre séance de gymnastique. Ah oui, oui, merci Arnold, merci beaucoup. Donc, c'est ce qu'il nous reste pour la journée. D'accord. Donc, on fera un tour ici à 15h. 15h. Le temps de libérer à 15h20. Ok. 15h20. Comme Bellecote n'est pas loin. Ok, patron. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini. Hein. Oui, voilà, il n'y a plus rien. Ok. Il n'y a plus rien. D'accord, donc, on va rentrer. Ok. La dernière fois, le professeur m'a félicité devant mes amis. Hein. Super, ah, super. Il a dit que ce serait la première de la classe. Super. Tu me ressembles, ma fille. Allez. Il y a papa qui est venu. Hein. Oh, papa. Chérie. Ah, papa est là. Comment tu vas? Merci beaucoup. Les enfants, ça vous va? Mon petit, ça va, on est quoi? Ça va. Bonne arrivée, chérie. Merci beaucoup. Sacha, chérie. Maman, s'il te plaît, apporte de l'eau à ton papa. D'accord, oui, ça va. Et ta journée, ça a été? Un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, ça va. Merci. C'est moi juste un peu. D'accord. Et tes financiers? C'est bon, c'est bon. Merci. Ils sont venus? Oui, oui, on a un rendez-vous avec les Canadiens. D'accord. Voilà, le rendez-vous est prévu pour le jeudi. C'est super. Merci. Mais je ne compte pas jouer avec vous. Oh là là, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, je ne dis pas, les enfants, je ne dis pas. Je dis pas. Chérie, oui. Je ne dis pas. Ok, j'espère bien. Voilà, donc je serai lundi. D'accord. Lundi en Belgique. Ah, en Belgique, oui. Oh. Je vais en Belgique, j'ai un rendez-vous avec certains bailleurs mardi. Super. Donc, au plus grand temps, mercredi, je serai là. Okay. C'est déjà très bon. Voilà. Papa, tu vas aller avec toi? Oh. Bon, pour cette fois-ci, c'est compliqué. Tu as cours, n'est-ce pas? Oui. Voilà, alors, c'est ça. Donc, en vacances, tu vas aller? Bah, moi, j'avais prévu passer mes vacances au Canada. Hein. Oui, mais les vacances, c'est pour bientôt, c'est pas maintenant. Ouais, c'est pour ça que je bosse dur. Donc, okay.
Donc je te fais la promesse, si tu es parmi les 5 premiers, tu auras un gros cadeau. Youpi! Pourquoi pas une voiture? Youpi! Ah bon, plus le voyage, hein. Comme toi, tu as déjà tout, chérie, tu as déjà tout. Plus le voyage, tu n'as pas à t'inquiéter. Pas de soucis. Voilà. Papa, tu m'as oublié, moi. Fais une liste. Fais une liste et tu remets la liste à Arnold. D'accord. Ne pas que j'oublie. Et toi, tu m'avais parlé de... Mon téléphone, tu l'auras à mon retour. Ok, merci papa. Sacha, maman, s'il te plaît, prépare la table, nous allons dîner. D'accord, maman. En tout cas, j'ai faim. Oui, d'accord. C'est normal. On va passer à table. On a trop discuté au bureau. Arnaud et moi. Okay. Allons, c'est bon. D'accord. Moi, Junior a de la chance, hein. Il a de la chance, hein, vraiment. Oui, c'est comment Junior, c'est comment? C'est comment, frère? Ça va, Giga. Notre Junior. C'est vraiment. Ça va, on est là. Comme d'habitude. En tout cas, merci. Je te rends visite. Tu dis quoi? Ça va, ça va. Mais il y a papa qui est venu hier. Il a fait les promesses pour Messi. Il a dit qu'il partait pour une réunion. Et puis bon. Donc, avant qu'il ne parte, bon, lui a demandé certaines choses. Et puis bon, il a dit que non. Que chacun devait choisir. Donc, moi, j'ai choisi aller au Canada façon. Oh, tu connais, il est trop bien. N'oublie pas, quand tu t'en vas, tu fais des photos et puis oh, tu passes. Mais tu m'avais promis un petit téléphone la dernière fois là, mais j'ai jusqu'à après, il n'y a pas de téléphone. C'est qui est-ce? Quand je vais partir à mon retour. T'inquiète pas, c'est sûr. Il va te donner ça, c'est rien. Arrivez là-bas, il y a un iPhone 12 qui m'attend là-bas. Donc là, forcément à mon retour, en tout cas, je suis les trucs. En tout cas, hier, je vais me charger puis je vais venir. Mais la dernière fois, ton voyage aux États-Unis, tu as dit que tu allais nous expliquer. Allez, c'est qui est-ce? Ouais, le voyage était. C'était bon, les vacances étaient très bonnes, mais c'était pas, ça n'a pas été comme je voulais, quoi. Mais en tout cas, pour le Canada, ça sera du bon. Mais tu pars quand? Papa avait dit les vacances. Les vacances. Donc, il m'a promis même que si je suis parmi les 5 premiers, voilà, j'aurai une voiture. Ah, wow, ça c'est amour. Mais là, tu dois travailler. Non, je peux pas oublier mes amis. Non, je peux pas oublier mes amis. Qui plaît? Arnold? Oui, patron, on m'a appelé. J'ai entendu mon nom, j'ai entendu Kipré. Tu peux pas m'appeler monsieur Kipré? Patron, je vous ai pas appelé. Ok, retourne t'asseoir. Je vais m'en aller, patron. Retourne. Ok. Kipré? Monsieur Kipré, Arnold? Oui, patron. Mais tu as quoi ce matin à m'appeler Kipré? Patron, je ne vous ai pas appelé. Mais j'ai entendu mon nom, Kipré. Ah bon? Nous sommes seulement deux ici. Sinon, moi, je n'ai rien entendu. Hein. Ou peut-être aussi que c'est un mégaphone, je ne sais pas. Depuis nous sommes dans ce bureau-là, tu as déjà vu un mégaphone? Non, patron. Ok, va t'asseoir. Je veux partir, patron. Va t'asseoir, non. S'il vous plaît. Kipré, écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui te parle, Kipré. Il est l'heure que tu me sèves. L'heure est arrivée que tu me sèves. Abandonne tout et fais mon œuvre. Laisse tout, Kipré. Sème-moi, Kipré. Sème-moi, Kipré. Qu'est-ce qui se passe? Arnold? Oui, patron! On rentre à la maison. Oui, patron, m'a appelé. Oui, on rentre. On rentre? On rentre plutôt que prévu. Patron, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne sentez pas bien? Arnold? Je n'ai pas appelé le médecin, il va... Arnold, on rentre s'il te plaît. Mais patron, il y a les Canadiens qui viennent tout à l'heure. Dans 30 minutes, ils seront là. On peut pas... Qu'est-ce qu'il y a? Qui est le patron ici? Ok, patron. Bon, je vais chercher la voiture. Ok.
Ok, patron, on peut rentrer. Ok. Je n'ai rien oublié. Non, patron. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Bon, Anol, je pense que je dois te dire la vérité maintenant. J'ai reçu l'appel de Dieu. Waouh! Depuis un bon moment, j'ai lutté avec l'appel. Mais aujourd'hui, dans le bureau, tu as vu que je t'ai appelé deux fois. Oui, patron. En réalité, c'est Dieu qui me parlait. Waouh! Et je suis dans l'obligation de tout stopper. On ne pourra plus travailler ensemble. On ne pourra plus travailler. Je ne me retourne plus au bureau. J'ai décidé et je pense que je vais suivre la voie de Dieu. Lui seul sait ce qu'il veut faire avec moi. Franchement, quand je pense au travail, je pense à l'appel, ce n'est pas facile. Je suis confus, je suis troublé. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on rentre plutôt que prévu. C'est compris, patron. Patron, vraiment, il n'y a pas de problème. Moi, je veux toujours rester à vos côtés parce que vous êtes, en tout cas pour moi, depuis 30 années de carrière, le meilleur patron que j'ai eu. Donc, même si c'est pour l'appel, voilà, l'église, votre pasteur, je suis toujours prêt à être votre fidèle serviteur. Donc, vous pourrez toujours compter sur moi. Hein, patron? Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Dieu te bénisse. Amen. Il te donne quelque chose de meilleur. Que Dieu ne cesse de vous assister. Ta famille et toi. Merci beaucoup. Je vous en prie, patron. Donc on peut rentrer maintenant? Oui, on peut rentrer. Je vais faire comme lui. C'est ce qui est normal. Je suis toujours fou du monsieur, Seigneur. Non, je dis toujours monsieur. C'est une grande suite à faire. Je vous bénis, hein. Belle famille comme ça. Je vous bénis vraiment. Véritablement, sans que Dieu. Faut t'attacher au Seigneur aussi. Parce que cette grâce-là, vraiment, il faut toujours lui rendre gloire pour ce qu'il fait dans vos vies. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Là, tu dis vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, de la manière dont les choses se passent, là, vraiment, on voit que l'Éternel a sa main. Sur cette famille. Amen. Il était pas quelque chose, mon frère. Tout ce que son papa fait, ça aboutit. Tu as remarqué, non? Tout ce que le fait, ça aboutit. Hein. Oui. Et puis quand il dit, il fait. Oui, ça c'est vrai. Quand il dit, il fait. Ça, c'est vrai. Quand il dit, il fait. À mon retour de vacances, ça, c'est sûr, ma voiture m'attend. Non, c'est sûr. Mais il m'appelle en bon pardon, mon petit téléphone. Forcé. Il n'est pas tout plié. Je ne suis pas connecté. Non, il n'est pas tout plié, frère. Il n'est pas tout. À mon retour, net, je te donne ce qui est dans ma main là. À mon retour, je te donne ça. Mais imagine, si mon bien, moi j'ai ça, si j'ai ça, si mon Christ j'ai ça dans ma main, au quartier. Non, vraiment, c'est gâté. Non, je vais te donner, c'est rien. À mon retour, je vais te donner. Non, je vais prier pour toi. Je vais prier pour que non, ton père n'arrête de donner iPhone pour que tu puisses me donner ça. Oui. Qu'est-ce que les papas? Ta journée s'est vite terminée aujourd'hui. Hein. On est arrivé. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as un souci avec tes financiers? Mais qu'est-ce qui s'est passé au travail? Parle-moi, chérie. Oui, c'est un souci de famille. C'est la santé de maman qui s'est encore détériorée. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas par où commencer. Par où commencer comment? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Mais tu pleures, chérie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi, chérie. C'est quoi, papa? Mais parle-moi, chérie. Ce sont tes affaires, chérie. Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Parle-moi, s'il te plaît.
Je ne sais pas par où commencer. Parle-moi, s'il te plaît. Je t'écoute, vas-y. Vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît. Je dois servir Dieu. Ah, chérie, mais tu m'as fait peur. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu peux pas comprendre. Il y a des jours en arrière, Dieu m'a révélé cela, tu sais. Mais je lui ai demandé de te convaincre. L'esprit est un. Gloire à Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu viens de faire, oh Dieu. Merci, Jésus. Chérie, et qu'est-ce que tu as entendu? Et mes gros projets. Oh, ça, c'est rien à côté de ce que Dieu va nous donner. Qu'est-ce que je fais avec les Canadiens? Chérie, ce sont les choses. C'est le plus gros projet que Dieu m'a fait. Dieu m'a fait la grâce d'avoir. Il n'y a pas plus gros projet que d'avoir le royaume des cieux. Que d'apporter des âmes dans la maison du Seigneur. Mais on mange quoi à la maison? Oh, laisse, on mange quoi? Tu sais, le Seigneur dit dans sa parole, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Tu comprends? Si Dieu a pu nous donner ce que nous avons maintenant, imagine ce que nous pouvons avoir après, en le servant. Une âme qui se donne à Dieu, la joie qu'il y a dans le ciel. Tu ne peux pas imaginer, chérie. Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu s'en chargera de la conviction. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as décidé? Moi, je suis là pour toi. Si tu décides de le servir, je serai toujours là. Qu'est-ce que je peux faire contre Dieu? Tu vois? Qu'est-ce que je peux faire contre Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai accepté. Gloire à Jésus. C'est la meilleure des décisions, chérie. Tu vas voir tout abandonner. Tu comprends? Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'on ne doit pas garder pour nos cieux. Pendant qu'elle est encore fraîche, on doit informer nos enfants pour que la joie soit complète. Tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. D'accord. Junior? Oui, maman. Viens, s'il te plaît. Appelle Grâce. La grâce, à maman. On a une très bonne nouvelle pour vous. Hein. Ça va pas avec notre voyage? Ah, plus que notre voyage. Ah, oui. Plus que notre voyage, je suis sûr. Bonne nouvelle? Oui, bonne nouvelle, ma fille. Oui. Non, t'inquiète pas. Fais pas attention à papa. C'est l'émotion. Ok. Bah, j'espère que vous êtes prêts à recevoir cette nouvelle qu'on va vous apporter. Comme toujours, les bonnes nouvelles. Super. Chérie, tu l'as pas? Oui. Junior. Et papa. Grâce. Papa. Vous savez que je vous aime. Oui, papa. Énormément. C'est pas. Merci. Les enfants. Oui, papa. Dieu m'a fait la grâce. Désormais, j'ai décidé de servir Dieu. Quoi? Oui. Servir Dieu? À plein temps, bien sûr. Ça veut dire qu'il va abandonner son travail? Abandonner tout pour le service de Dieu. Les projets? Mais avant, tu t'en rends compte là? C'est forcément une blague, c'est forcément une blague. C'est un poisson d'avril ou quoi? Non, pas du tout. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Non, mais il ne peut pas quitter du bureau d'aussitôt est venu dans l'ancienne telle nouvelle. Mais attends, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais maman raisonne, il ne va pas quand même abandonner son travail, venir devenir pasteur. C'est quoi? Non, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Maman raisonne, lui. Il faudrait que tu lui parles. Parle-lui. Il faudrait que tu lui parles. Il ne peut pas abandonner son travail. Je ne peux pas accepter ça. On ne peut rien contre la personne. Non. Tu peux t'imaginer ça? Abandonner le travail. Moi, je comptais sur lui pour aller au Canada. Et la voiture qu'il m'a promis. Et mon iPhone 12. Alors, qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Dieu pouvoir. Non, mais Dieu. Comment Dieu pouvoir? Comment? Expliquez-moi. Ne fais pas attention aux amis. Tu comprends? Non. Véritablement, moi, je n'en peux pas. Junior. Je n'en peux pas. Mais maman, papa, il a accepté? Évidemment. Non, mais est-ce que vous avez pensé à moi? Bien sûr, ma fille. Tout ce qu'on fait, on pense à vous. Non, mais maman, moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais... Papa, tu ne peux pas te l'accepter?
Moi, je peux pas être d'accord avec toi, ça. Je peux pas être d'accord avec toi, ça. Mais présent, forcément, je peux pas attendre un peu. T'es présent, tu les auras. Maman, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Comme toi, d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais papa peut pas nous faire ça. S'il te plaît. Ce n'est pas papa qui fait, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui change la destinée des uns et des autres. C'est lui qui décide ce qu'on doit faire ou pas. Tu comprends? Oh, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. S'il te plaît. Moi, je suis pas d'accord. Chérie, je viens. Tu es dans la chambre. T'inquiète. Je suis pas d'accord. Grâce. Ce n'est qu'une question de temps. Tu comprends? Tu ne vas rien perdre. On va toujours prendre soin de toi. Tu seras ma fille chérie, comme d'habitude. Tu ne manqueras de rien. D'accord? Tu pourrais toujours avoir mes présents. Bien sûr. Dieu te donnera. Tu pourrais toujours voyager. Tout. Tu auras tout par la grâce du Seigneur. D'accord? On ne va pas ressembler à ses enfants de pas pasteur. Pas du tout. Pas du tout. Dieu pourvoira à nos besoins. Tu comprends? Moi, seulement, je me promets. Oui. Aie la foi. D'accord? Soyez un soutien pour ton père. En prière, en toutes choses. Tu comprends? C'est bon. Calme-toi. Oh. Tu as entendu la voix, oui. Non? Finalement. Je ne sais pas ce qui se passe. Allons, on va voir. Il est derrière. Mais Junior, il y a quel problème? Junior, on est là-bas, attends, là, je ne veux pas, je ne veux pas. iPhone, là, tu ne veux pas. C'est pas fait d'iPhone même. Tu refuses de voyage là. Quoi? Quoi? C'est pas fait de voyage là même. Bon, faut nous expliquer. Il y a plus grave que ça. Oh. Explique-nous. Ah, ce vieux là. Vieux là, venu, on est en train de causer nous. Mm-hmm. Il rentre. Il dit, il va nous annoncer bonne nouvelle. Ah bon? Tout le monde pensait que c'était un rapport à mon voyage. Mm-hmm. Il vient. Il organise une réunion de famille pour nous annoncer que. Lui, il était au bureau, que Dieu lui a parlé, qu'il doit devenir son serviteur. Gloire à Jésus! Oh, Alléluia! La première fois, alléluia, il était dit le... Alléluia! Jésus! Alléluia! Non, Jésus! Jésus. Alléluia! Non, attendez, il est trop fort! Message, c'est une bonne nouvelle, mon frère. Quelle bonne nouvelle? Il y a quel moment là-bas? Mais laissez-y parler maintenant. Vous posez. Tu es sérieux. Voilà. Mais pas de Julien, dis pas de nous, pasteur. C'était moi. Mais comment quand tu as battu au marché aux yeux, voiture là? Tu es venu voir? Pasteur. Donne-moi. Je suis moi, elle fait ça. Attends, c'est pas bon. Hein? Sa fille que j'aime, elle me suit. Oui, c'est gâté, non? C'est gâté. Oh mon fils, viens. Pas de cadre. Tiens, ta mère est chaude, elle est à l'onction de toi, madame. Quelle onction? Toi aussi, tu es rentré dans ça, quoi. Quelle onction? Donc quand vous avez parlé là-bas, on a entendu ça ici. Donc on entend quand même déjà informé là-bas. Ah, t'as dit ça d'une manière. Tu as dit que tu passes en voie. Tu passes en voie, tu verses l'eau de l'eau sans une autre, là tu marches. Donc on veut pas plein de rien. Faut croire. Ah,
Ça va donner le vieux qui était en haut, il est parti chérir ses moments. Il est venu donner une information que à lui venir le pasteur. Pas voleur. Hein? Pasteur ou. Quoi? Il est sérieux quoi? Donc c'est que Mousso a dit c'est vrai, quoi. C'est que Mousso a dit là c'est vrai. Le vieux dit venir pasteur, va abonner son travail, le luxe, les belles voitures, les sorties à Sini, les vacances en Italie. Tout ça est grillé. iPhone, ah, ma voiture même qui m'a promis. Tout ça là, mais allez là, mais c'est la rage à la maison. De moi, ma petite soeur, même ma maman, lui parle même, maintenant, elle n'entend plus même. Donc là, allez là, même là, chacun a rage pour sa vie, chacun dans sa gamme. Voilà, c'est ça qui est juste. Donc elle dit que tout notre vie, on a donné à ses morts. C'est mort. C'est mort, mais même pour moi, c'est mort. Si moi, son fils, c'est mort. Ça, c'est pour vous qui a tenu, quoi. C'est mort, même. Si moi, c'est mort. Donc là, c'est ça qui est là, là. Attends, pasteur, c'est quoi que tu passes? C'est les morts qu'il faut rire, papa, bâcher. Et puis, les morts, moi. Comprends pas, il faut rire. Et c'est ça, le beau gem. Véritablement, ouais. C'est pas gâté. Voilà, Jamaïque. Il y a pas de problème. Tu t'es pas dans beaucoup hein, toi maman. Non, il y a pioché. T'as pioché où ça? Il y a pioché. Où est-ce qu'il y a un jeu? Il y a un lent, il y a un bat. Tiens, il y a un fouille. Ouais, pourquoi il est venu passer? Il n'a pas venu voir ça. Son Dieu, il a vu là. Quand il va prendre la deuxième fois, il va avoir le sang. Oh, laisse-lui là. Tu sais, nous, on est maintenant en mouvement. Elle, son père est pasteur. Son père n'est pas pasteur. Il est pasteur là. Quand tu sais que son père n'est pas pasteur. Attends, ouais, moi, putain. Junior! Ah, vas-y, là, tu sais que. Oh, nous, on a un faux plein. C'est par rapport à tout le truc quoi. Voilà, par rapport à tout le truc. Donc à un moment projet de Canada annulé, mon iPhone 12 est resté coin. C'est pas que la même matin mon est venu parce que tu m'as les gens appelé comme 25 on fait comment? Yeri. On casse signifie Yeri, on va les gâter. Dans le livre de vie, une joie dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux lever pour dire gloire à Dieu. On a beaucoup prié. Vous avez senti le Saint-Esprit comme moi. Amen. Incroyable. J'aimerais que tu lèves ta main vers le ciel. Et que tu répètes après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Je vais te louer. Je vais te louer. Comme tu n'es jamais venu. Je vais faire une danse prophétique. Amen. Je vais laisser la place à notre groupe musical. Tu vas nous donner un chant de louange. S'il te plaît, loue le Seigneur comme tu n'as jamais venu. Amen. Le groupe musical, c'est à vous.
J'aimerais vous l'annoncer, j'aimerais vous dire quelques mots qui il est. Vous savez, notre pasteur a été affecté. Il a été envoyé dans notre localité pour servir le Seigneur là-bas. Et notre Dieu a bien voulu. On est un homme de Dieu puissant. Oh, yes. Dieu qui l'a appelé lui-même. Oh, 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 oh. Amen. Amen. Un homme de Dieu qui l'a appelé lui-même depuis sa position pour venir servir Dieu ici. Et nous serons bénis par son ministère. Et je ne vais pas trop parler, je vais lui laisser lui-même la latitude de se présenter pleinement. Et je vais demander à notre nouveau pasteur de venir et vous connaîtrez son nom quand lui-même se présentera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce que... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et vous êtes aussi une bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je chante que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, avant de commencer, je tiens d'avoir fait la présentation parce que plusieurs ici ne me connaissent pas. Alléluia. Amen. Je suis l'évangéliste qui prie. J'ai été affecté nouvellement sur cette église. Vous-même vous constatez. Je ne suis pas la seule. Je suis comblé. Le Seigneur m'a donné une charmante épouse. Wow. Et elle va se tenir levée. Madame. Et comme je le disais, le Seigneur m'a fait grâce de deux enfants. Alléluia. Amen. De deux charmants enfants. Il y a un garçon et une fille. Alléluia. Amen. Le garçon qui n'est pas présent au milieu de nous, il se nomme Kipré William Junior. Alléluia. Amen. Sa petite sœur est avec nous. Elle va se tenir levée. Kipré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, c'est mon premier jour de prédication. Et je veux parler de la base de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. De la base de la vie chrétienne. Et ce passage, il est connu de tous. C'est Jean 3, verset 16. Alléluia. Amen. Et le thème de ma prédication ce matin, c'est l'amour. Quelqu'un peut dire l'amour? L'amour. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, comme je l'ai dit, la page de la vie chrétienne, et je constate que mon fils est là, il va se tenir levé, vous allez faire sa connaissance. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, comme je disais, c'est l'amour. L'amour, c'est la base de la vie chrétienne. Mais lui, même, il dit quoi, même? Il parle de quel amour, même? Il nous parle de quel amour? Donc, ça vous veut dire que c'est l'amour que tu as laissé ton travail, quoi? Il nous parle de quel amour, même? Il nous parle de quel amour? Il nous parle de quel amour, même? Oh, laisse-moi, nous regarde comment? Oh, laisse-moi, on nous regarde comment? C'est notre camarade. Nous regarde comment? Pas. Nous regarde comment? Oh, laisse-moi. Oh, laisse-moi, nous regarde comment? Oh, faut me laisser, la gamme, quand même. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Oh, laisse-moi, oh, laisse-moi. Le deuxième, il parle de quoi, même? Tu parles de quoi? Oh, attends, on m'appelle, oh. On m'appelle, y'a quoi? Ça va, même, ça va, ça va. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est il y a plus de gens là, par contre, ça devait pas
Alléluia. Je tiens à présenter mes excuses. Jusque-là, mon fils n'a pas encore accepté mon appel. Alléluia. Donc c'est en même temps un sujet de prière pour chacun. Soutenez-nous dans la prière. Alléluia, c'est pas facile. Il était habitué à plusieurs voyages en Europe. Et vu que j'ai décidé de servir le Seigneur, c'est pas facile. La parole là, ça m'a touché. Parlant d'amour, ma soeur, il y a une fois qui l'a vu. D'accord. Donc, okay. Donc, la soeur, à dimanche, on va s'appeler. Ça va. Ok, donc, en tout cas, tu vois, le culte, le message de ma soeur, ça m'a touché. Il a parlé de l'amour. Il a bien prêché. Oui, il a bien prêché. Il a parlé de l'amour. Et moi, franchement, je t'aime. Je t'aime de l'amour de Christ. Tu es ma soeur. Donc, quand je te vois dans les choses qui ne sont pas bien, je ne peux pas te laisser comme ça, tu vois. Ça me trop sale. Écoute, Karel, je sais que tu sois avec mon grand frère. Nous deux, on est chants. On est à l'église. C'est lui qui l'a dit. C'est pas lui qui m'a dit. Tout le monde sait. Il n'a pas dit à quelqu'un. Pour ça, je suis venue te voir. Je n'ai pas parlé devant les filles, tu vois. Je suis venue te voir. Toi, tu es une fille. Tu es chrétienne. Tu es bien. Tout le monde te voit comme une bonne fille à l'église. Donc, je ne veux pas que tu tombes dans le péché, que tu tombes dans les mauvaises choses. Si tu veux être avec mon frère, moi, je lui parle à la maison de Dieu tous les jours. Il ne m'écoute pas, mais il pense que toi, il peut t'écouter. Donc si tu l'aimes vraiment et puis si tu veux être avec lui, il faut l'envoyer à l'église. Et puis faites les choses bien. Il ne faut pas te cacher. Tu viens dimanche à l'église, le soir, tu dois voir au bar avec lui. Ce n'est pas bien. Donc, il faut faire les choses bien. Voyez un responsable, voyez quelqu'un. Non, ça mais ce n'est pas... Mais il ne vient pas à l'église. En partie, il va responsable. Mais c'est toi qui vas l'envoyer à l'église. Moi, je l'aime bien. En partie, il va le responsable. Il va dire non. C'est bon parce qu'il n'est pas chrétien. Il ne va pas dire non. Le responsable, on a parlé de l'amour, là, il a compris. Amour, là, c'est tout ça. Prends tes frères d'ailleurs, les envoyer à l'église, les convertir. Donc, pardon, à cause de Dieu. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Tu vois? Ce n'est pas du jeu, hein. Quand on parle d'enfer, là, ce n'est pas du jeu. De... Donc, pardon, un pied dehors, un pied dedans. C'est dehors. Donc, il faut revoir. C'était ça. Il oh. Ne faut pas réfléchir, il faut faire. Il faut faire. Merci. Après, le Dieu, ça ne m'amuse pas, ça. Oh. Si vous comprenez un peu ce qui se passe. Dans quel bout qui prêt est devenu pasteur? Ma soeur dit encore. L'homme n'est rien. Et puis il y a la scène que son fils nous a montré. Regardez mon soeur. Excusez-moi. Vous êtes les anciens de l'église. Oui, ton problème, il ne savait pas que ce n'est pas bien de critiquer les hommes de Dieu. Ce n'est pas critique, mon frère. Non. Ce sont des nouvelles. Vous risquez de vous prendre des malédictions cadeaux. Quelle malédiction? Vous savez, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que nous tous, on s'est demandé. Et Dieu m'a montré que c'est un homme point. C'est pas un homme qui l'a choisi. Qui prend l'homme qu'on est ici? C'est lui qui est là. Qui prend homme de Dieu comme moi? D'accord, continuez. Il faut continuer à regarder, c'est le comme Dieu t'a montré là. Pardon, il faut pas dire ton problème. Arrêtez ça. Je vous parle. D'accord, je vous parle. Pardon. Quel est ton problème? Oui. Qui prend nous tous en balai et top là ici? Et puis un coup comme ça, il est devenu pasteur. Comme ça, je dis. J'ai prêché ici pendant combien d'années? J'ai prêché. C'est qu'il a dit. Qui prie. Et puis un coup, bim! Yé Dieu! On dit les hommes de Dieu, là, c'est Dieu qui les appelle. Mais c'est lui qui a appelé Dieu. C'est lui qui a appelé Dieu. C'est même moi, c'est sympa. Non, allez le voir après, va me donner son numéro aussi. Allons, allons. Tu m'as appelé ma table, hein? Non, c'est un faux matin. J'ai appelé le ministre, là, il est parti déjà. Ça faisait des emplacements. On va dire,
Oh, t'as dit que j'ai dit non, laisse-moi. Il y a un point qui parle à moi. Je ne vais pas vous mélanger. Non, c'est là, c'est là. C'est là, ici. Laisse-la, vas-y. Il vient du marché. Il dit, je souffre. Tu souffres comment? Aïe! Il a gardé ça dans mon cœur jusqu'à je suis fatiguée. Faut du. Ça, on va y faire. Faut du. L'enfant est nous tue à la maison. Yeah. La fin dernière, il est venu à 22h. 22h, ils ne sont pas à parler sur lui jusqu'à. Il dit, parce qu'ils ne sont pas à parler sur lui. Il a pris la porte, il est parti. Il est parti. C'est matin à 4 qu'on l'a vu encore. Faut laisser. Il a cherché le travail pour toi. Il y a un travail fatigué. Là-bas. Comment ça? Je suis fatiguée. Ça, attends, pas faire. Il y a gardé, mais il dit ça à ma tante. T'as dit à Guichon? T'as dit à Guichon? Non, il y a une mère préparée, oh, pardon. Il y a une mère préparée. T'as dit à Guichon? Depuis, ils ont envoyé la fille. Yeah! Je sais pas quel match. T'as dit à Guichon? Là, voilà. T'as dit à Guichon? Il y a quoi? Attends. Aïe! Attends comment? Yeah. Depuis, tu es raté. T'as dit? Tu es mis bas quand on mange à midi. Ouais, c'est bon, mais le dis-moi. Hey, il y a tombé encore. Mais c'est ça. T'as dit la seconde tu connais. Si tu te marches là. Imagine qui est craqué. Qui? Chacha. Edouard. Et là, tu vois, il n'y a pas l'argent. C'est elle qui paie la nourriture. Yeah. Chacha travaille. Chacha. Tiens, c'est bon. Chut. Attends, je suis de. Hey, je suis fatigué. Il y a au courant quoi. C'est tout. Attends, le fils là. C'est ça que le petit là, c'est nous. Qui? Le petit là. Qui? Le petit là. Dis-moi, t'es petit. Le fils du pasteur. Aïe, Tadio! Tadio, Akisha! De l'autre, Tadio! Aïe! Tadio, il ne faut pas faire ça! Le fils du pasteur! Tadio, c'est un premier. Ça fait un. Un deuxième. Sa petite sœur, elle a fait 5 apportés. Aïe, Tadio! Mais il y a des dit comment tu fais ça? Il n'y a pas un diplôme, il y a pas. Et puis les petits là, tu vois la fille claire qui est de goût musical. Jolie là. C'est que tu voulais donner à ton fils là. Il dit la femme d'elle. Il dit qu'on va accepter. Tu es sûr? Aïe! Tu es sûr? Aïe! Tu as vérifié l'information. L'information est vérifiée. Il n'y a rien à dire. Elle est fiable. Il n'y a rien à dire. Il y a des pétitions. Il y a même la vie. Tu manges pas. Mais il ne mange plus. Tu ne manges pas. Bakala. Tu ne vas pas aussi. Merci. T'as dit au revoir. T'as dit que je l'aime aujourd'hui. Ma nièce chérie. Information, ça, ça là, on peut pas. Attends, je dois appeler les anciens, ils doivent être informés. Ça là, église, nous, on est anciens dedans, on sait qui doit devenir pasteur. D'où s'en vont, il faut qu'ils viennent pasteur. On laisse le frère Bernard. Voilà ça. Allô? Il n'y a pas réseau bien, ça coupe depuis là. Allô? Allô?
Oh. Allô? Tu es où? Qui sont tes bonnes? Il n'y a même pas de client. Bon, il vient, il vient, il vient. Il vient. Pardon, il vient, pardon, il te rappelle. Il vient tout à l'heure. Eh! Oh! Voilà! Il ne veut pas avoir fait pour ça. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va, madame? C'est 100 francs, 100 francs. 100 francs? Oui, c'est 100 francs. C'est beaucoup, hein? Allez, langue, pas mango. Bon, je vais vous 100 francs. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est bien beaucoup de ces choses, je ne vois pas. Allez, 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 on a une réunion là. Ah, hey, d'accord. Mon frère. Bon. Là, c'est bon. 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 Merci, bonjour à vous. Depuis longtemps, il y a dit qu'il y a une information ici. Hey, c'est fiable. Il ne faut pas me demander si c'est pas fiable. C'est fiable. Je t'attends ici. Tu as informé le frère Bernard. Venez à deux. Venez à deux. Parce que ça, là, ça peut pas. On ne peut pas garder. Lui coucher là, ça ne sera pas doux. C'est nouveau. Vous venez vite. Allez, je vous attends, hein. Venez vite. Venez, hein. C'est pas vous. Vous n'avez pas dit que vous aimez traîner. Venez. C'est qui là? Oh, c'est Rebecca. Oui, allô, c'est Rebecca. On a réunion du jour, so. Allez, moi. Il a fermé mon magasin, il m'en va comme ça. Mais même là, vous courir. Vous venez vite, vous venez vite. Ah, elle dit c'est pressé. Oui, oui. Réunion du jour. D'accord que j'arrive, j'arrive. Il n'y a pas de problème, j'arrive tout de suite là même. Je suis déjà là même, je ne suis pas loin. Oui, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Éternel Jésus. Père, je viens à toi t'apporter la vie de mon époux, oh Jésus. Les tribulations sont trop pour nous, éternel Dieu. De l'autre côté, mon fils qui ne veut plus rien attendre, Seigneur. Je te prie d'incliner son cœur, Jésus. Je te prie de bénir le ministère de mon mari, si c'est toi qui l'as appelé, Jésus. D'incliner le cœur, oh Jésus-Christ, des fidèles de l'Église, oh Seigneur, qui nous persécute, oh Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Je m'abandonne à toi, j'abandonne ma famille entre les creux de tes mains, Seigneur. Saisis-toi de mon époux, oh Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, Seigneur, dans le but de détruire ce ministère, Jésus, que toi-même tu les dévoiles au grand jour et que Seigneur Jésus-Christ, ta parole fasse son effet, Seigneur Jésus. Merci Père, merci de le faire au nom de Jésus. Non, attends, après la scène de l'église, voilà encore autre chose. Non, mais ça. Non, ça, maintenant.
Celle-ci prouve que son papa même n'est pas né là. Ah, vous voyez ça? Ah non, 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 non. Attendez, c'est quoi? Mais nous sommes venus faire quoi à la, au juste? Nous sommes les anciens de l'église. Je vais vous parler. Mais attends, toi même qui t'a appelé ici même. C'est un message. Où call you there? C'est parti. Où call you there? Donc la réunion, je ne fais plus partie. Si ma soeur. Vous passez votre temps à parler. C'est pas toi qui envoyais ton enfant la nuit là chez le pasteur qui dit lui. Mais c'est pas toi qui passes ta nuit à appeler le pasteur. J'ai vu tes souris me pousser dans mon rêve. Prie pour toi. C'est normal. Alors, donc, quand, c'est tout ce que vous faites, je vois à la maison. Parlez des gens. On s'informe. Réfléchissez, je n'ai pas de vous prier pour les gens. On s'informe. Non, vous mettez. Ah, ouais, faut partir. On n'a pas besoin de toi. Faut partir. On n'a pas besoin de toi. Yéli, attendez. Yéli, je suis. Yéli. Cette nouvelle-là. De toute façon, elle suit le pasteur. Quand on fait la collecte, là, elle a 10% dedans. Mais c'est plein. Sérieux? Elle a 10%. Je comprends pourquoi elle a pas de défense. Qui prend nous? C'est quoi bon, le pasteur ancien? Non, je pense que. Je pense qu'après cette nouvelle-là, on va régler la situation. Nous sommes de manger et puis on va aller vaquer à nos occupations. Trop gay. Non, vraiment. Il vous est Dieu. Vraiment, oui. Quand Dieu t'appelle, c'est toi qui appelle Dieu là. C'est ça. Pasteur, faut manger. La nourriture, elle est vraiment très bonne. Ça va, c'est un problème. Depuis le matin, l'homme n'a pas mangé. Depuis le matin, moi, je suis juste mon bon. Bena, ma table. Il a vendu mes mains. Je n'ai pas oublié ta table. Il a appelé le menuisier là. Il dit qu'il a appelé le menuisier là. Mais tout fait. Non, il dit. Attends, je vais te manger, on va régler ça. Seigneur, sauve ton église. Regarde, regarde. Tu as choisi toi-même ton serviteur. Tu l'as envoyé ici pour nous aider. Tu l'as envoyé ici pour qu'il puisse servir ton peuple. Et regarde, le peuple se retourne contre lui. Regarde ce qui se passe, Père. Tu n'es pas méchant, tu es un Dieu bon et amour. Tu ne choisis pas les hommes pour qu'ils souffrent, non Père, tu l'as appelé. S'il te plaît, montre à ce peuple qu'il est ton serviteur. Montre à ce peuple ce que tu m'as montré, Seigneur. Montre à ce peuple qu'il puisse l'aimer, qu'il puisse comprendre que ta vision est en lui, Jésus. S'il te plaît, ne le laisse pas. Saint-Esprit agit dans sa famille. Regarde son enfant, ce qu'il a fait à l'église, Seigneur. Regarde, regarde ce qu'on dit de notre église aujourd'hui. Regarde, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Frère David, ça va? Oui, ça va. Ah, mais je venais à l'église pour prier aussi, puis je t'entendais pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Frère, tu sais, j'ai pas tellement envie de parler de ça, mais... Oh, on est entre nos frères, tu sais, tu peux te confier, y a pas de souci. Tu vois, la situation de l'église, comment l'église va, ce que les gens disent sur l'église, tout ça. Oui, effectivement. On va m'empêcher de prier pour ça, c'est un fardeau qui est sur mon cœur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, moi-même j'ai remarqué cela, et il faut l'avouer que moi-même je prie dans le secret, tu vois. J'ai pris dans le secret, vraiment ça me tient tellement à cœur, raison pour laquelle je demande à Dieu de nous aider. Oh, Dieu merci, Dieu merci. Tu ne connaîtras pas de personne qui prie dans le secret pour nous aider, parce que vraiment... Bon, c'est... Effectivement, il faut que nous soyons unis dans cette, comment on appelle ça, dans cette guerre-là. Donc t'inquiète, je vais essayer de voir le frère Élisée. Voilà, parce que lui, bon, j'aurais entendu qu'il a été marqué par le passage du fils du pasteur la dernière fois-là. Donc on va essayer de l'appeler. Tu as son contact? Élisée. Tu as son contact? Le Seigneur me met à cœur une bataille, nous allons batailler. Amen. Voilà. Et tu es vous? On vient de loin. Dès qu'on vient à l'église, on a appris une nouvelle bon, affaire de sujet, c'est plus trop le temps. Parce que j'ai appris que le fils du pasteur prend 4 litres. Quoi?
Prends, c'est qui en laissé là? Oui. Le jeune est... qui est sorti le jour du culte. Bien c'est sûr. Pas... C'est le fils du passé. C'est le fils du passé. Attends, lui qui a fait de l'argent. Bien sûr, c'est lui. Et... Il est comment lui? Il fume. Attends, le jeune on l'a laissé là-bas, les filles, tout ça. Non, Jésus est bon. L'église là, nous sommes bien, c'est ça qu'il a là. Non, c'est que ça là. Calmons-nous. Seigneur, oh tu me dis, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront te vaincre. Oh Seigneur, je déclare que j'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ces esprits qui sont à la base de tout ce qui se passe, Seigneur, ces esprits chancellent au nom de Jésus. Ces esprits chancellent au nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, restaure ma famille, restaure ma maison, Seigneur. Oh, tu tiens entre le creux de tes mains, Seigneur, l'âme de toute vie, oh Dieu de gloire. Ta Bible dit, oh Seigneur, tu orientes le cœur des rois comme un courant d'eau. Je te recommande, mon fils. Je te recommande, mon fils Junior. Je te recommande, mon fils Seigneur. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force, Seigneur. Tu dis ta puissance accomplie dans ma faiblesse, Seigneur. Que ta puissance accomplisse, Seigneur. Que ta puissance accomplisse, oh Dieu de gloire. Seigneur, je compte sur toi. C'est sur toi seul que mes regards sont fixés. C'est sur toi seul que mes regards sont fixés. C'est sur toi seul que mes regards sont fixés. Oh, Paikin Teleboros. Merci, Seigneur. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Attends, ma camarade, on va faire d'une manière. D'accord. T'es sortie là, mais justement, c'est de ça que je veux te parler. Parce que ta sortie de la dernière fois, je n'ai pas vraiment aimé. Ah bon? Tu es sortie, tu es venue très tard. Comment ça? C'est que je suis en laisse. Mais je veux te dire, pardon, faut avancer. Tu es trop loin. Mais il y a une chose que tu dis. C'est par rapport à ta vie. Tu es mon frère. Je ne veux pas que tu mènes une vie de débauche. Je ne veux pas que tu ailles en enfer, tout ça. Donc, sérieusement, je veux te parler de Jésus. Pardon, tu me regardes. Je suis sérieuse. Je veux te parler de Jésus. Tous les dimanches, je vais à l'église. Chaque fois que je te réveille, tu ne vas pas. Moi, ça me fait mal de te voir comme ça. Donc, pardon. À cause de Dieu. Tout ce que tu cours derrière, l'argent, tout ça, là, on ne va pas être au ciel. Ah, c'est beau, toi, non. Elle a tendu. Et Carole, on dit quoi? On dit non, la sœur. Tu as bien fait de venir. Merci. Tu as bien fait de venir. Tu vois, dimanche, ce dont on a parlé là, les sœurs sont en train de parler avec elle. Ok, avec elle, tu vois. Donc, pardon. Donc, pardon, ma sœur. Au revoir, tu sais déjà. Donc, elle t'a déjà dit la chose. Elle m'a dit des choses. Donc comme il doit sortir, il doit aller voir Eva, donc on est prêt. Ouais, donc à tout à l'heure. D'accord. Non, elle a raison. Toi, tu n'as pas commencé. Il y a cette histoire, ça devient un peu bizarre. On est là, voilà. Bon, il n'y a pas de tête ni de Dieu dans notre relation. Pourtant, c'est Jésus qui doit être le saint.
Oui, après, je vais un peu les amis. Voilà, pardon, pour retourner à l'église, tout ça, parce que, bon, on ne va pas venir se mettre à faire des relations, bizarre, ça ne va pas nous emmener quelque part, quand même, tu sais. Tu sais, avec moi, non. Il a pas de la même chose. Ils connaissent pas. Ils savent que tout est Milan là-bas. Allez, là-même, là, même tête de ville, là, c'est Milan. Il va démissionner. Oh, il n'a pas dit qu'il veut devenir pasteur. C'est Dieu qui l'a appelé, non. Non, il va devenir Denis pasteur. Il n'a pas devenir pasteur. Hey, tu vois, Moufo, là, nous. C'est là. Tu vois, Moufo, là, nous. Depuis qu'il est parti à l'église chez mon papa là-bas, j'ai vu payer Moufo là-bas. Et si Moufo, là, il est vu là-bas. Donc attends. Il n'a pas accepté comment? Faut envoyer ta bébé aller la payer, on va te mettre. Tu vois les deux moussos qui sont là-bas là, non? Ouais. Faut les appeler. Voilà, faut les appeler. Donc après, on va venir vers nous ici. Donc attends, tu as bien fait, tu as gâté. Même demain, comme ici, il y a opportunité, va gâter. Chaque jour qu'il est là, gâte. Où nous on arrive, on ne boit pas l'eau, on se lave déjà à la maison. Il y a tout là-bas. Si, il y a tout. En Jésus, là, il y a tout. Et puis, pareil que moi, il y a le vin, et puis le truc là-bas. C'est de ça, il se va parler. Et pour Saint-Jean, vin, et peint le corps du Christ, et tout le monde. Donc, il paraît que là, c'est dimanche, ça m'a donné. Non, c'est comme ça. Donc, on va bien faire boire. Non, c'est comme les pots. Il n'y a pas de moment, c'est bien celui-là. Il va voir ce qu'il lui fait. Son ordinateur va vendre, c'est que c'est pas moi. Son Dieu veut servir. Son Dieu va payer nouveau ordinateur. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Jamais.
La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Obligé. Dieu envoie ses serviteurs parce qu'il t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Oh. Jésus, il t'aime. Il t'aime. C'est pourquoi il nous envoie t'interpeller. Alors si toi, tu as passé ton temps à rejeter ce message, si toi, tu as passé ton temps à rejeter ce message, sache que c'est le moment aujourd'hui. Parce que demain pourrait être déjà trop tard. C'est le moment d'accepter le Seigneur. C'est le moment de faire la paix avec lui. Je ne te présente pas une religion. Je te présente le salut. Je ne te présente pas une religion. Je te présente le salut. Le salut de ton âme. Il m'a accepté tel que je suis. Il m'a choisi. Donc attends, c'est bon, Dieu l'a choisi. Il a laissé tout le travail après des pasteurs. Ça, c'est une honte. Tout le temps là. Au quartier, mes amis. Les gens qui faisaient plus haut, mon papa est l'argent, mon père est ceci, partait où ça, à gauche, à droite, mais partant en Europe. Laissez tout ça là. Et on a fait des violences dans ce lieu là. Quelqu'un vient presque au marché. Il n'y a pas de fou dans ici là. Vraiment. C'est qui ça? J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Bon, de toutes les façons, mais moi, j'ai appris son ordre, moi, mais voilà. Une vie sans truc, sans vraiment être en dehors de Dieu. Donc moi j'ai pas acheté quelque chose peut-être qui a été volé, tu vois. Dis-moi c'est pas volé. Mais il n'y a même pas de reçu qui prouve que non, c'est pas quelque chose. Il n'y a pas de chargeur, il y a Dis-moi, pas de c'est que ça avait marché noir là. Mais moi je préfère les choses qui sont bien avec des reçus. C'est vrai que c'est un bon prix, mais je préfère les choses qui sont bien avec des bons prix. Je sais, mais moi je préfère les choses qui sont bien avec des bons prix et puis avec des reçus. Parce que moi je suis chrétien, je passe marcher dans les bons. Ouais. Dis-moi, c'est quoi? Mais dis-moi, c'est ma réussite là qu'elle a là. Ta manière de réussir, elle est pénible pour toi, mais je te dis que c'est pas une bonne chose parce que Dieu veut changer ta vie en quoi faisant. Si tu manques dans l'égalité, tu ne voles pas, tu ne peux pas inventer ce qui est arrivé. Tu verras que Dieu lui-même te bénira avec ce que tu feras. Fais des choses qui viennent de tes propres mains et apporte sur les contrôles. Tu verras que ça marche. C'est quand je moi, c'est plein. Je te recommande mon fils, Seigneur. Je te recommande sa vie, Seigneur. Je te recommande sa vie, Seigneur. Que ses regards soient portés sur toi. Oh, pour ce qui concerne ton église, oh Seigneur, je prie de confirmer mon appel.
Seigneur, je travaillais et c'est toi qui as voulu que je vienne te servir. C'est toi qui as voulu, Seigneur, confirme ton appel. Confirme ton appel, Seigneur. Confirme ton appel. Plusieurs choses se disent, Seigneur, confirme ton appel. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia! Waouh, waouh, quelle adoration, quelle adoration. C'était merveilleux. Je peux vous dire que ce matin, quelque chose d'exceptionnel va se passer dans la vie. Amen. Oui, parce que l'homme qui va venir annoncer, donner la parole du Seigneur, l'homme qui va venir est exceptionnel. On a tous pu le voir. Il a un message de feu. Un message rempli d'onction. Un message rempli de puissance. Un message qui va briser le cœur des pierres. Est-ce que tu m'as entendu? Même si tu ne dis pas amen très bien, l'onction sera dégagée. Je vais vous demander de vous asseoir dans la gloire. Dis, je m'assois dans la gloire. Je m'assois dans la gloire. Amen. 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 Donc, je vais annoncer notre orateur. Et c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Il n'est plus à présenter. On le connaît très bien. Il est l'homme de Dieu que Dieu a envoyé ici pour nous faire du bien. Et depuis des mois, il nous fait du bien. Il ne fait que nous faire du bien. Et nous allons bénir le Seigneur pour sa vie. Et j'aimerais qu'on acclame notre Seigneur Jésus pour la vie de notre pasteur. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean. Jean 1, verset 12. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Amen. C'est vrai, j'avais l'appel du Seigneur sur ma vie. Mais j'ai travaillé. Je ne suis pas devenu enfant de Dieu comme ça. J'ai accepté le Seigneur Jésus. Je l'ai reçu dans mon cœur. J'ai eu foi en lui. Et aujourd'hui, je le sais. Et c'est comme ça, il y a plusieurs parmi nous qui chantent, qui font tout à l'église. Mais ces personnes n'ont pas encore reçu le Seigneur. Ces personnes n'ont pas encore accepté le Seigneur. Bien-aimés, plusieurs disent que les enfants des pasteurs sont des enfants super saints. Mais je dois vous dire, ces enfants que nous avons, ils ne naissent pas enfants de Dieu. Ils ne naissent pas chrétiens, mais ils le deviennent. Amen. Pourquoi je le dis à quelqu'un ici ce soir? Dis-nous tout, pasteur. Je veux dire à quelqu'un ici, est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus? Amen. Bien-aimé, c'est le moment d'accepter Jésus. C'est le moment de faire la paix avec Jésus. Parce qu'on peut être à l'église sans accepter Jésus. Ah, c'est vrai. Alors je vais lancer la paix. Tu as entendu ce message? Tu es en train de réfléchir certainement, mais c'est le moment que tu as d'accepter Jésus. Alors, si tu es prêt de tout ton cœur à accepter le Seigneur Jésus, tu vas te tenir levé. Vous allez avancer. Jésus, 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 Jésus
tu es certainement là. Et tu résistes encore à l'appel du Seigneur. C'est le moment. La grâce est disponible pour toi. Ne remets pas demain la bonne décision de ce qu'on te rappelle. Ne remets pas demain la bonne décision de ce qu'on te rappelle. Merci parce que tu fais de tes enfants, Seigneur, de nouvelles créatures. À toi seul toute la gloire, l'honneur, la puissance. Merci de manifester. Manifeste maintenant, Seigneur. Manifeste-toi au travers de ton esprit. Manifeste-toi maintenant au travers de ton esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Et à te servir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.